Je suis depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il représente, je représente l'efficacité du programme du docteur Bromsky. Un programme contre la délinquance et pour la réinsertion. Le docteur Bromsky, il imaginez le mal comme un cancer qu'il faut éradiquer. Mon programme éradique le mal jusqu'au tréfonds de l'âme des délinquants. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Aujourd'hui nous recevons monsieur le ministre. Bonjour monsieur le ministre. Mes parents et moi, on habitait dans un petit appartement du HLM municipal 18A. Des jouets mécaniques à la mécanique usée, à râler sans bouger, l'arrière-train sur canapé, à effectuer toutes les 5 journées les mêmes pas, les mêmes gestes, pour gagner quoi ? Je rejoins mes potes, mes troux, il y a Momo, il y a Joe, on s'ennuie. La vie passe comme si elle se jouait sans nous. Il s'agirait pas de la rater, tu vois, faut profiter, faut savoir mettre un pied dedans. Bah, faut bien que jeunesse se passe, mon vieux, hein. Oh, d'où ce que tu sors comme ça avec tes livres sous le bras? De la bibliothèque. De la quoi? La bibliothèque. La bibliothèque. Ce qu'on leur a fait, ce qu'ils ont pris, ce qu'on leur a mis. En ville, on est pressé, mais là, on avait toute la nuit. Le professeur Bromsky est à la recherche de cobayes pour son nouveau programme de rééducation financé par le gouvernement. Les volontaires se verront remis en liberté au bout de 15 jours que dure le programme.